Alors. Donc le son, c'est bon. Et je vais faire ici, une fois n'est pas coutume, le live sera en deux parties. Donc première partie, ce sera plutôt réservé au coaching, hein, comme vous le savez. Donc sa petite formation théorique. Et on passera en revue nos diverses alertes. Essayer de voir s'il y en a d'autres qu'on pourra mettre en place pour lundi. Ensuite, j'arrêterai ce premier live et immédiatement après, je recommencerai un deuxième qui sera pour une diffusion plus large public, où là je donnerai mon avis sur les indices et les matières premières. Alors commençons ensemble. D'abord la partie présentation. Voilà, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Ce sera le MACD. Le MACD, c'est un indicateur qui permet de voir diverses choses par rapport à l'évolution du cours. Alors l'indicateur est construit comment? Il utilise deux moyennes mobiles qui se croisent entre elles. Alors, une des deux moyennes mobiles, ce sont toutes utilisées sous forme de moyenne mobile exponentielle. C'est-à-dire que les dernières cotations ont plus d'importance que les premières dans la moyenne qui est faite. Alors, il y a deux lignes. Il y en a une qui est une moyenne de moyenne et l'autre qui est une simple moyenne. Et on voit par rapport au croisement de l'une et de l'autre si la tendance est plutôt haussière ou la tendance est plutôt baissière. Et il y a également joint à cet indicateur une ligne 0 qui correspond à l'endroit où le cours est à plat. Donc si on est au-dessus de 0, le cours est censé être en phase haussière. Et si c'est en dessous de 0, le cours est censé être en phase baissière. Alors, diverses possibilités que je vais vous illustrer par des exemples, mais ce sont des petites choses que vous devez comprendre. Donc, quand le MACD est au-dessus de son signal et en dessous de 0, et au-dessus de 0, pardon, il est au-dessus de son signal et au-dessus de 0, c'est une tendance haussière. Si le MACD passe sous son signal, mais qu'il reste au-dessus de 0, ça veut dire que c'est une simple consolidation. Quand le MACD passe fortement sous son signal mais reste en dessous de 0, on est toujours dans une consolidation mais qui pourrait remettre la tendance de fond en cause. Une fois qu'on passe en dessous de 0, le MACD est sous son signal, sous 0, la tendance baissière s'installe. Et si le MACD passe en dessous du signal mais reste sous 0, c'est un rebond technique qui s'installe. Donc tout ça, je vais vous l'expliquer plus facilement. Voilà. Donc on est ici. Le MACD est au-dessus de son signal et au-dessus de 0, c'est une phase haussière. Voilà. Le MACD passe sous son signal, ça devient rouge, mais on reste au-dessus de 0, c'est simplement une consolidation. Ici, reprise d'une phase, vous voyez le MACD qui est au-dessus de son signal et au-dessus de 0, eh bien, c'est une accélération. Ici, le MACD croise fortement sous son signal, mais reste au-dessus de 0, ben, on décroche un peu, mais on reste toujours dans la tendance si on consolide. Et ensuite, le MACD passe sous son signal et sous 0. Voilà, on décroche et la tendance baissière s'installe. Voilà comment on peut suivre les évolutions du MACD. Donc, quand vous voyez que le cours décroche un peu et que le MACD croise, ça ne veut pas dire que la tendance baissière s'installe. Si on est au-dessus de 0, c'est simplement une consolidation. Par contre, si dans la même configuration, donc le MACD est sous son signal, mais il est en dessous de 0, là c'est la tendance baissière qui s'installe. Il manque une configuration sur ce graphique, c'est le rebond. Mais ça, je vais vous le montrer dans un autre graphique. Alors, ce qui est super intéressant dans le MACD, ce n'est pas tellement tout ça. Hein? Le MACD, ça permet donc de distinguer, de faire la différence entre les impulsions baissières et les consolidations. Donc quand on voit que le MACD est en dessous de son signal, mais au-dessus de 0, ben là, ce n'est pas vraiment une phase baissière qui s'installe, c'est plutôt une consolidation du cours, il ne faut rien faire. Et ça permet aussi de distinguer les impulsions haussières d'un rebond. Quand on voit le MACD qui passe à la hausse, s'il est en dessous de 0, ce n'est pas une impulsion haussière, c'est un simple rebond, donc méfiant, ça pourrait une fois reprendre la baisse. Alors les cas particuliers qu'il ne faut pas manquer, ce sont les non-croisements. Ça, c'est très important, je vous en ai déjà probablement parlé. Je vous en reparle encore une fois ici. Alors, si c'est un non-croisement baissier, c'est-à-dire que le MACD voudrait croiser son signal pour descendre, mais avant de le croiser, ou juste après l'avoir croisé, hop, il repart à la hausse. Ça, c'est le non-croisement baissier, et ça donne une impulsion haussière. A l'inverse,
Si c'est un long croisement haussier, donc on a l'impression que le MACD va croiser son signal à la hausse, puis il le croise un tout petit peu et repart à la baisse, ou il ne croise pas du tout et repart à la baisse. Là, c'est une forte impulsion baissière, et on verra également l'exemple sur NIRSTAR. Donc ça, c'est vraiment les choses les plus importantes dans le MACD, faire la différence entre rebond, consolidation et les impulsions, et pouvoir également identifier les non-croisements. Alors, comment ça se passe? Alors ici, je vous ai mis Attendez, je vous cherche dans ma Alors, je dois enlever la fenêtre Internet, la fenêtre de présentation. Et voilà, et vous avez ici. Alors, NIRSTAR, c'était au mois d'août 2015. Voilà, ici, regardez, MACD. Voilà. On voit le MACD, je vous l'agrandis, hop. Le MACD ici est en belle phase baissière, hein. Il est sous son signal et sous zéro, donc une grosse phase baissière qui est installée. Et puis, à partir du 28 septembre, il remonte. Voilà, le MACD, c'est la ligne bleue, il remonte, il revient vers sa ligne de signal, qui est la ligne rose, et il ne le croise pas. Ici, c'est le non-croisement. Donc, il ne croise pas le signal à la hausse, au contraire, il reprend la phase baissière. Et là, en général, ça repart très très fort à la baisse. Donc, on est lors de la semaine du 12 octobre 2015. On va voir sur le graphique ce que ça nous donne. Voilà, on voit l'action qui part à la baisse, puis elle ralentit, elle consolide un peu. Ici, elle forme un rebond. Alors, on pourrait croire, en plus, c'est ça le danger, c'est là où le MACD peut vous aider à prendre vos décisions. Voilà, j'ai une rouge, un doji, une verte, ça pourrait faire penser à une étoile du matin. Ok ? Qui pourrait permettre, si vous vous rappelez la théorie sur les bougies japonaises, l'étoile du matin, c'est un signal haussier, donc pourrait faire penser qu'on repart à la hausse. Ok, pensant là, notre MACD est toujours dans le rouge ici. Hein. Donc si j'agrandis un peu ma fenêtre pour que vous voyez mieux, enfin, je vais écraser les autres indicateurs. Donc l'étoile du matin est ici, et mon doji est toujours dans le rouge, ma grosse bougie verte, mon MACD est toujours dans le rouge. Et alors que le lendemain ou la semaine suivante, on doit confirmer le croisement haussier et partir à la hausse, on ne croise pas à la hausse. On fait un non-croisement baissier. Et derrière ça, qu'est-ce qu'on voit? Hop, on repart de plus belle à la baisse et on continue à reperdre du pourcent. Voilà, le non-croisement baissier. Alors, ça, c'est la phase qui manquait dans la présentation. C'est quand le MACD est au-dessus de son signal, mais il est en dessous de zéro, donc c'est simplement un rebond. Ou une consolidation, c'est pas du tout une phase haussière qui s'installe. Vous voyez qu'on n'arrive pas à passer les zéros là-bas au mois d'août 2016 et on reprend plutôt une partie baissière. Donc voilà, le MACD, un outil important qui peut vous permettre de distinguer les rebonds des impulsions haussières ou les consolidations des impulsions baissières, mais également les non-croisements qui vous donnent des signaux d'accélération, soit si c'est un non-croisement haussier, une accélération baissière, et si c'est un non-croisement baissier, une accélération haussière. Alors, non-croisement baissier, j'en avais trouvé un aussi également, c'était sur Bipost. Je vais vous le rechercher. Bipost, voilà, là on était en journalier, je pense. Quand je l'avais vu, je prends 3 mois. Ici. Voilà, donc. Alors, on est ici avec Bipost, qui a connu, vous voyez, le MACD, il est en dessous de son signal, il dégringole, donc on est dans une consolidation après une phase haussière. Ici, il passe sous zéro, donc il prend bel et bien une phase d'accélération baissière. Puis, à partir du 17 juin, le MACD passe au-dessus de son signal, ça devient vert, mais là, on est simplement dans un rebond. Donc, je peux mettre des petites lignes obliques. Là. Allez. Entre le 17 juin et le 7 août, le MACD est au-dessus de son signal, mais bel et bien en dessous de zéro. Et donc là, on est simplement dans un rebond. Ensuite, chose très importante qu'il ne fallait pas rater, vous voyez ici, je vous ai dit, le non-croisement, c'est quand on croise et puis qu'on décroise, ou quand on ne croise pas du tout. Ici, on a légèrement croisé, puis on décroise immédiatement. Donc, c'est un refus du croisement baissier. C'est le non-croisement baissier, donc impulsion haussière qui se met en place. Et je vous remets ma ligne pour pouvoir avoir les bonnes dates. Voilà, le 7 août, on a une accélération haussière qui se fait. Et ça, je peux vous le dire sans regarder le graphique.
Ok? Donc je sais, maintenant on va voir le graphique en dessous, mais je sais qu'entre le 17 juin et le 7 août, on aura une consolidation. Et à partir du 7 août, l'impulsion haussière se met en place. Vérifions cela. Attention, j'espère que je ne me suis pas trompé. Ah ben voilà, regardez, si je tape mes lignes ici. Ah, ça ne le fait pas. Allez, s'il te plaît. Je remets mes lignes horizontales pile poil comme sur mon MACD. Vous voyez, le MACD était au-dessus de son signal, mais en dessous de zéro. Eh bien, c'est la consolidation qui s'est faite entre le 17 juin et le 7 août. Vous voyez, on était dans la boîte, la fameuse boîte que je vous avais dessinée à l'époque. Et puis, à partir du 7 août, non-croisement MACD, vous voyez, le cours est sorti de sa boîte et on part vers une belle impulsion haussière dans laquelle nous sommes toujours aujourd'hui. Donc voilà, le non-croisement haussier, vous avez vu, ça donne une impulsion haussière. Et le non-croisement baissier qu'on avait vu sur Distar donne une accélération baissière. Voilà ce qui met fin ici à la théorie sur les impulsions du MACD. Alors, en tout cas, sur la lecture du MACD par rapport au thème des impulsions. J'espère que cette théorie vous plaît. Ce serait gentil pour ceux qui suivent les vidéos de nous mettre un petit pouce d'encouragement en dessous de la vidéo et un petit commentaire positif ou même négatif. Vous pouvez mettre un commentaire négatif, mais alors constructif. Dites-moi, tiens, ça, j'ai pas apprécié parce que, et je préférerais qu'on fasse de telle ou telle autre manière. Donc moi, je suis tout à fait prête à prendre les critiques. C'est pas un problème, du moment qu'elles sont constructives, que ça nous permette de vous aider au mieux. Bon, voilà, le MACD, on l'a vu. On verra une prochaine fois le RSI. On verra l'OBV également. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, la partie théorique est terminée. On va voir ensemble maintenant notre liste d'impulsions, comment elle réagit. On va voir ensemble donc notre liste qui est dans le coaching et la révision des stops si nécessaire. Alors, moi, je prends un petit bout de papier. Voilà. Et je commence par ordre alphabétique. Alors, on a du Abvi. Abvi qui est là et qu'on a décidé de prendre en horizon hebdomadaire. Donc, allons analyser l'horizon hebdomadaire. On se met en recul de au moins un an, même deux. Pouf. Donc, j'avais anticipé le rebond, ce rebond qui pour l'instant n'est qu'un rebond parce qu'on le voit sur le MACD. Hein, voilà, on est avec le MACD au-dessus de son signal, mais il est bel et bien en dessous de zéro. Donc on est pour l'instant dans un rebond technique. Et on espère qu'on va pouvoir poursuivre ce rebond un peu plus haut. Voilà, depuis que je suis sorti de ma diagonale baissière, eh bien j'ai choisi de suivre cette action. Alors au niveau des signes positifs, on est au-dessus des moyennes mobiles. Vous voyez les bandes de Bollinger, comme on avait déjà vu lors des autres séances de formation, sont en train de s'écarter. Vous voyez, la bande de Bollinger supérieure va vers le haut, la bande de Bollinger inférieure va vers le bas. Donc, nous sommes dans probablement un départ d'impulsion. On essaye de franchir le premier niveau de retracement qui est les 23% de Fibonacci. Je vous rappelle que notre premier objectif est à 50%, notre deuxième à 100%. Pour l'instant, on est en train de rebondir là. Peut-être qu'on aura une petite consolidation qui va venir se poser sur la M20. C'est pour ça que, comme je suis au niveau hebdomadaire, je laisse mon stop à cet endroit-là. Donc je laisse mon stop sur Abvi à 69$. Parce que j'ai une vision hebdomadaire sur cette action et que je veux aller jusqu'au 100%, j'espère, mais au moins jusqu'au 50%. Donc je laisse mon stop bien placé à cet endroit. Alors, Apple qu'on avait repris ensemble également. Alors, on est très bien sur Apple, on est nickel. Moi, je vous conseille de poursuivre cette action. Alors, je vais voir dans notre tableau à nous où est-ce qu'on en est depuis que je vous ai donné le signal. Alors, je cherche un peu sur un de mes écrans que vous ne voyez pas. Pour l'instant, vous avez toujours vous Apple en vue. Alors, Abvi, on en est où avec Abvi en pourcentage? On est à plus 5% pour l'instant depuis l'alerte. Sur Apple, on est à plus 4,4% depuis l'alerte. Donc, pas de souci pour l'instant sur Apple. Je reviens à mon graphique. Voilà. Et vous voyez qu'on est bel et bien, on est bien. Voilà. Bougie hebdomadaire ici.
On a bel et bien accéléré. On a un objectif ici qui est les 161% de retracement. On est revenu sur les 100%, on les a dépassés, on est tranquille. On est dans la fourchette de Andrews qui est haussière. Fourchette de Andrews, c'est également un élément qu'on verra dans une séance de formation théorique. On est au-dessus des moyennes mobiles. Les bandes de Bollinger s'ouvrent vers le haut et là, celle-ci, elle légère tendance à s'ouvrir vers le bas. Donc on est bel et bien dans une belle impulsion haussière. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse dépasser la médiane de Andrews. Vous verrez pourquoi plus tard, l'importance que ça a. J'espère qu'on va pouvoir la toucher. Alors au niveau du stop, je suis également. Est-ce que je suis en hebdomadaire là? Ah oui, je vais aller voir en journalier comment ça se présente. Voilà, en journalier, vous voyez, une belle impulsion. On arrive au contact de la médiane de Andrews, on est passé la ligne pointillée ici qui fera office de support maintenant. Donc je peux, si je veux, hein, si je veux protéger au maximum mes gains, déplacer mon stop qui était ici. Comme ça, je suis au-dessus de mon point d'entrée et je mets mon stop en dessous de la dernière consolidation. Toujours, toujours. Et l'idéal, c'est de se mettre également en dehors de la fourchette. Donc normalement, je devrais me mettre ici et en dessous de la M20. Donc je vais quand même me mettre là. Il faudrait vraiment une grosse, grosse, grosse accélération baissière pour venir chercher ce stop. Voilà, je mets au niveau de la M20 à 200, la M20 est à 232,50. Je mets mon stop à 231. Allez, je vais mettre à 232. Mon stop sur Apple, 232. Ça, je suis au-dessus de ma M20. Je suis en dessous de ma dernière consolidation et je peux être resté là patiemment pour la suite. Donc voilà pour Apple, ça continue, ça poursuit. Probablement qu'on aura une consolidation dans les semaines à venir. Hein. Ça va pas tellement continuer comme ça. Alors comment est-ce que je peux voir ça? Je vais voir sur mon MACD. Toujours bien haussier. Mon RSI arrive proche des 80. Ça, c'est pas bon. Je vous expliquerai pourquoi. Et le BV également haussier. Donc probablement qu'on va avoir une petite conso qui va arriver sur Apple. Pas d'inquiétude. Ce qu'il faut, c'est qu'elle ne vienne pas chercher notre stop. En général, si elle consolide, elle va venir se poser peut-être sur la M7 comme ici, ou peut-être sur la M20 qui aura progressé depuis lors. Donc, je ne m'inquiète pas. Voilà, sur Apple, je ne suis pas inquiet. Ça va bien se passer et bien continuer. Alors, passons à Bipost. Alors, Bipost est venu toucher son premier objectif des 100%. Donc, ça, je vous avertis, je vous envoie un mail, je vous dis attention, Bipost, il a son objectif. Prenez vos décisions. Pourquoi? Parce que ce vendredi, on a fait ici cette bougie que. Alors, c'est toujours la même chose, les deux écoles. La première école dit que c'est un marteau sur la M7, la deuxième école dit que c'est un pendu dans une tendance haussière. Si c'est un pendu dans une tendance haussière, il va continuer à descendre et venir toucher sa M20, puisque probablement, on ne sait pas si ça va s'enfoncer ou pas. Si c'est un marteau sur la M7, ça devrait continuer l'accélération en direction du deuxième objectif qui est d'ici 161,8. À peu près à 12,3 euros. Mais bon, moi, mon stop, je l'ai placé de manière assez agressive après avoir touché le premier objectif en dessous de la dernière consolidation qui est celle-ci. Donc j'ai mon stop, ça je vous l'ai envoyé par mail aussi, mais je vous le confirme, à 9,91 sur Bipost. Et je viens de vous expliquer le pourquoi. Voyons le MACD, le RSI. Voilà, le RSI descend un peu, mais reste en zone d'accélération. Le MACD toujours très bien, l'OBV toujours très bien. Donc pour l'instant, sur Bipost, pas trop de problèmes, si ce n'est cette bougie qui pourrait être un pendu et donc continuer une consolidation en direction de la M20. Alors, Colruyt, on avait pris Colruyt, pourquoi on avait pris Colruyt? Parce qu'on avait également ici cette sortie, pof, d'accélération. On fait des points bas, moins bas que les précédents. Et ici, on arrive dans une zone importante, enfin dans une configuration qui est importante, configuration qu'on a vue ensemble lors d'une autre séance de formation théorique. Vous voyez, on est en train de faire une boîte. Les bandes de Bollinger sont fort rapprochées. Les moyennes mobiles sont en train de se longer. Et on est sur les 23% de retracement. Donc on est en train, gentiment, ici, de se faire une boîte. Alors les boîtes, vous le savez, vous me connaissez déjà un peu maintenant. Vous savez comment ça fonctionne, les boîtes. Voilà, une boîte. La boîte, elle est là. On va prendre la consolidation avec. Alors la boîte, on peut en sortir, hein. Ce n'est pas un problème, mais on en sort par le haut ou par le bas. Je ne vais pas mettre mot, sinon ça ne va pas aller. Voilà.
On en sort par le haut ou par le bas. Alors si on en sort par le haut, c'est très bien, ça nous permettra d'aller chercher nos 50% de retracement qui est notre premier objectif. Par contre, si on sort par le bas, ben, vous vous rendez compte que ça c'est mauvais et qu'on va aller se taper une nouvelle fois un retour sur le zéro. C'est pour ça que mon stop, lui, est juste en dessous de ma sortie de boîte. Parce que si on en sort, c'est que on va continuer plus bas. Je suis également en dessous de cette moyenne mobile qui est la moyenne mobile 100 période. Donc mon stop est ici placé sur Colruyt à 48,68, 48,70, quelque part comme ça. Le plus bas ici, c'est quoi? 48,75, ben, je suis à 40. Allez, 48,60 sur Colruyt. Parce que je veux me protéger d'une accélération baissière suite à la sortie de la boîte. Et donc je mets mon stop juste en dessous, comme ça si mon cours pète ma boîte par le bas, je sais que ça va continuer à baisser, mais moi je serai immédiatement sorti. C'est pour ça que j'ai préféré mettre Colruyt avec un stop à ce niveau-là. Au niveau de notre voilà, on est pour l'instant à plus de 73% sur Colruyt dans notre liste, mais si l'accélération par le bas se met en place, on en sera sorti rapidos et on ne perdra en tout cas pas grand-chose, ce qui est mon premier but à moi, c'est de ne pas perdre d'argent. Alors voyons Euronav, très beau scénario, hein, qui avait commencé ici, qui est rapidement arrivé sur le premier objectif, voilà, en quelques jours, paf, premier objectif qui a été fait. Et le deuxième est à vue, mais on coince un peu là pour l'instant sur le deuxième objectif. Vous voyez, on est arrivé au premier objectif, on a dépassé. J'espérais qu'on aille directement au deuxième avant de consolider, mais on n'y est pas arrivé. Et on est en train de se former également une petite boîte ici, voilà. Vous voyez, on latéralise entre le premier objectif et le deuxième objectif. Alors j'ai mon stop qui est juste au-dessus de mon premier objectif, comme ça si je suis sorti, eh ben, j'aurai 100% de ma ligne qui est sortie au premier objectif. Mais je reste quand même en suivi très très dur pour espérer toucher le deuxième objectif avant de sortir de cette opération. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude hein, sur Euronav, on est à combien? On est à plus 20%. Donc si mon stop est touché, bah, j'aurai quand même une très très belle plus-value qui aurait été faite sur cette ligne. Plus 20%, on ne peut pas cracher dessus, c'est quand même très très bien. Alors, suivante, qu'est-ce qu'on a? On a Natixis. Natixis qui est une valeur qui est entrée il n'y a pas très longtemps dans notre liste de suivi. On a mis ça en... Je vous ai mis ça en hebdomadaire. Alors, pourquoi Natixis? Vous voyez pourquoi je vous ai mis Natixis cette semaine? Eh bien, voilà. On est venu taper trois fois sur cette zone ici. Une, deux, trois. On fait un rebond ici à... Point bas, moins bas que le précédent, et accélération en dehors des bandes de Bollinger, comme on a déjà vu la dernière fois. Ici, on avait fait un point haut la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai choisi de la prendre cette semaine-ci. Cette semaine-ci, on confirme avec une sortie de bande de Bollinger en hebdomadaire, direction le premier objectif qui est ici. Voilà, le point haut là. Donc ça nous fera quand même une belle plus-value. Pour l'instant, dans notre liste, on est à... Sur Natixis, on est à plus 1,6%, mais au vu de ce que je vois à l'écran ici, ça va continuer. Mes indicateurs hebdomadaires sont très bien orientés. On va voir un peu plus de détails sur l'unité journalière. Voilà, sur l'unité journalière, vous voyez l'accélération qui se fait, tchac, ici. Et puis, hop, 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 on continue. On est pour l'instant au-dessus des moyennes mobiles, au-dessus de la M7. Les bandes de Bollinger sont en train de s'ouvrir... La supérieure va vers le haut, l'inférieure va vers le bas. Donc tout ça est très bon. On continue en direction du premier objectif. Pas de souci sur Natixis. Alors, orange. Également, pourquoi je vous avais pris orange? Eh bien, c'était la sortie également en hebdomadaire. Ce plan est en hebdomadaire. Voilà, sortie du triangle haussier de ici le 7 octobre. On a pris ça donc la semaine du 14. Cette semaine, on consolide un peu. Probablement qu'on va venir faire le pullback. Hein, vous savez ça, probablement qu'on va venir faire le petit pullback ici, un contact avec soit la M7, soit cette zone ici des 14,42, avant de reprendre la phase haussière en direction du premier objectif. Donc pas d'inquiétude sur orange, normalement j'aurais mis mon stop là en dessous de 14,42. Ouais, exactement, vous voyez, le stop est ici en dessous de cette consolidation, le stop sur orange est à 14,24. Tiens, j'ai pas noté Natixis combien j'avais mis. Et Euronav non plus. Mon stop, il est où?
Sur Euronav, mon stop est à 9,58. Voilà. Sur Natixis, mon stop est à 3,66. Orange, on va le faire. Il nous reste donc Saint-Gobain. Saint-Gobain, valeur que j'ai pris parce que ici, franchissement de zone, en hebdomadaire, je suppose. Voilà. Franchissement de la ligne ici. On passe au-dessus de la M100. On est au-dessus des moyennes mobiles. Et pour l'instant, on consolide un petit peu cette semaine-ci sur Saint-Gobain. On n'a pas un gros gain sur Saint-Gobain. Où est-ce qu'il est, Saint-Gobain? On est à 0,68% de plus-value pour l'instant. Donc, pas énorme. Soyons patients avec un stop qui, lui, est placé à 35,80 sur Saint-Gobain. Qu'est-ce qu'il nous reste? Solvay également, qui a mis du temps un peu à démarrer. Elle m'a fait peur, Solvay, mais bon, ça s'est bien passé. voilà, donc Solvay ici, belle accélération, paf, avec un point haut plus haut que le précédent. Le lendemain, on a fait un genre de pendu, ce qui m'inquiétait un peu. Et puis après, on a fait 2-3 doji d'hésitation. Ici, on repart au-dessus de la M7. Là, on fait une couverture en nuage noir, c'est pas bon. Et puis, jeudi, vendredi, pam, 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 c'est parti. Jeudi, on prend plus de, presque plus 3%. Vendredi, on prend plus 2%. Les bandes de Bollinger vont en s'ouvrant. On est au-dessus de nos moyennes mobiles. C'est tout bon pour nous. Le premier objectif est ici. Alors, attention à cette ligne-là, qui est une ligne d'une baissière. Une ligne baissière ici, hebdomadaire. Mais j'espère qu'on va pouvoir la franchir au vu des bandes de Bollinger. Puisque probablement qu'on va la franchir. Donc, j'attends la prochaine consolidation avant de remonter mon stop. Pour l'instant, mon stop, je laisse ici à 93,5 sur Solvay. 93,5. Donc, ça, c'est tout bon. Si je vais regarder mes indicateurs, je suis excellemment bien orienté. Donc, sur Solvay, rien qu'à attendre. Pour l'instant, dans notre portefeuille, Solvay est à plus 3,5% de rendement. Bon, pas de soucis sur Solvay, même si le début de semaine a été compliqué. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Ah, Tesla. Ça, alors là, ça, c'est le paradis, hein, pour ceux qui ont pris du Tesla. Donc, je vous annonce ça, moi, aux environs du 14-15 octobre. Je vous dis, attention, Tesla, nouveau plan de trading, on y va, on a deux objectifs à aller chercher. Et puis, ça consomme un petit peu, là, on se fait un peu peur, on se dit, mince, j'ai été un petit peu trop, j'ai peut-être anticipé un petit peu trop. Et puis voilà, pouf, jeudi, augmentation exceptionnelle, plus 17%. On a dépassé le premier objectif. On est arrivé quasiment sur le deuxième. Et puis vendredi, on continue, où là, on a dépassé le deuxième objectif. Et notre objectif qui s'appelle « Et pourquoi pas », qui est le troisième objectif, est ici à 100%, à $377. Donc pour l'instant, Tesla, bah, ça se passe très bien dans notre portefeuille. Je vous dirai dans notre liste, qu'est-ce qui se passe, Tesla. Tesla, on est à plus 27,6% et j'ai encore rien retiré. Donc moi, je vais déjà, dès lundi, récupérer déjà 50% de la ligne sur Tesla, ça c'est sûr. Et mon stop, maintenant, je vais devenir super agressif avec ça. Où est ce stop? J'avais pas placé ou quoi? Alors, un journal, voilà. Donc, super, super coup qui a été fait sur Tesla. Mon stop, je vais quand même le placer en dessous de ma M7. Hein. On ne va pas être trop gourmand avec ça. Enfin, chacun fait ce qui lui plaît, comme dit la chanson. Mais moi, je vais le placer en dessous de la M7 à 270. Allez. Je vais essayer de mettre ma ligne droite. Ah, ah, ah. Tac. Voilà, je mets mon stop à 270 sur Tesla. Parce que j'ai envie d'aller chercher, là, mon objectif qui s'appelle pourquoi pas. Hein? Mais 100% de retracement. Moi, je veux aller chercher. Il nous reste encore, donc, en plus-value, 14% à aller chercher. Donc ça, moi, je veux aller chercher aussi. Donc, pour l'instant, donc, je vous dis, lundi, je vais récupérer la moitié de la ligne de notre listing et puis attendre d'aller rejoindre Tesla, les 100% à 375 à 377 $. Donc pour l'instant, Tesla, pas de problème. Umicore également, très bonne perspective sur Umicore. On est sorti de la boîte au mois d'août, on est venu rejoindre ici le premier objectif.
On a touché la ligne ici qui est la ligne de résistance hebdomadaire. On en est sorti cette semaine et on essaye de pousser encore vers le haut. Mais vous voyez que ça commence vraiment à coincer. Alors sur Unicorn, dans notre listing, on en est où? On est aussi à plus 28% de plus-value, donc c'est quand même pas trop mal. On a ici déjà un avalement baissier. Ça, c'est pas bon. On a ici une première étoile filante. Ça, c'est pas bon. Et on a ici une deuxième étoile filante. C'est pas bon non plus. Ça sent pas bon sur Unicor. Alors pour l'instant, moi j'ai mon stop qui est là à 36,50, je crois. Ouais, à 34,50 le stop. Ouais, 34,50 le stop. En dessous de cette zone de consolidation, on verra comment ça va se passer pour la suite. Mais voilà, je pense que ça va devoir consolider un petit peu. Peut-être revenir sur les 50%. C'est pour ça que mon stop est en dessous. On verra comment ça se produit la semaine prochaine. En hebdomadaire. Hein, vous voyez, donc ça c'est assez clair. On est sorti du range baissier. On a fait un pendu, pas bon. Et ici on fait un pic de J d'hésitation en dessous de la M50. C'est ça qui nous coince, c'est la M50. La M100, pardon. La M100 en rouge. On verra comment ça va se produire. En tout cas, on a déjà plus de 20%. On a déjà pris moitié de la ligne. On est tranquille avec cette action-là. Elle peut consolider. Ça nous fera quand même du gain. Alors, Volkswagen. Volkswagen qui est donc sorti, alerte de sortie de boîte le 14 octobre, qui confirme cette semaine par un gain de plus 1,76%. Dans notre liste, Volkswagen est à plus 0,74%. Oh, c'est mon graphique. Le voilà. Et donc, on se dirige gentiment. La bande de Bollinger supérieure est ouverte. La bande de Bollinger inférieure fait mine de sourire également. On est au-dessus de moyenne mobile. On est sorti de la boîte. Pas trop de problèmes là-dessus. En unité journalière, on voit qu'on est dans la fourchette de Andrews, dans le haut de la fourchette de Andrews. C'est pour ça que mon stop est ici. Mon stop, il est ici. Pourquoi? Parce que comme ça, je suis en dessous de ma médiane de Andrews qui fera office de support. Et je suis en dessous de mon oblique haussière qui fera également office de support comme ça a été le cas le 18 octobre. Donc je suis ici en dessous Volkswagen pour l'instant, un stock qui est dans le négatif à 162,5. Ok, donc vous inquiétez pas, je vous enverrai par mail le tableau récapitulatif des stop loss. Donc on a passé en revue ensemble toutes les actions qu'on avait dans notre liste coaching. Je vais vite essayer de vous taper un œil ensemble. On va essayer de faire ça ensemble pour voir si je peux trouver quelque chose pour lundi. Alors rapidement, un tour du côté belge. Ça, non merci. Ça, non merci. Solvay, on l'a déjà. Vialco. Je sais pas ce que c'est, mais ça ne m'intéresse pas. UCB, j'étais hésitant sur UCB. Ça se bat sur la M50 là. Melexis, ça a l'air d'être parti. Même si on a ici un genre de pendu sur les niveaux. Ouais. AGAS, ça monte déjà depuis tellement longtemps que. Voilà. CFE, non. Cofinimmo. Alors, rien de particulier sur la Belgique, on fera un tour en France. En France, Kering. Voilà, dommage, on est sorti par notre stop ici. Sinon, la pulsion n'était pas mauvaise, vous voyez, on va arriver sur les 100%, mais bon, voilà, il faut faire des choix, parfois les stops. Ah, dommage, mais enfin bon. Michelin. Ah, Michelin, c'est pas mal, hein. Michelin, c'est pas mal. J'avais hésité un moment entre Michelin et Faurecia. Michelin, ouais. Ah, voilà, regardez. Michelin, à mon avis, on va la prendre lundi. Pourquoi? Tac. Non croisement baissier MACD. Vous voyez, le MACD, il monte, il monte, il monte. Puis là, hop, il arrête de monter. Il consolide. Il accélère vers le bas. Il arrive proche de son signal. Et puis, il se dit, oh ben non, pour finir, je ne vais pas descendre. Je repars à la hausse. Et ça, en général, ça donne une impulsion haussière pour la suite. Donc voilà pour Michelin. On peut penser prendre Michelin pour lundi. Alors c'est quoi cette ligne rouge? Ce sont les sommets de 2018. Avec probablement comme objectif un retour sur les sommets de 2018. Et donc ça nous donne quoi comme perspective? Du 13%. Bah, moi j'achète ça, du 13%. Donc voilà pour lundi. Un peu de Michelin dans notre liste. Edenred. Ouh là, c'est beau aussi ça. Ah, mais ça fait que monter, moi ça j'aime pas ces actions qui font que monter, mais enfin bon. Sortie de boîte sur Edenred.
En hebdomadaire, c'est pas encore super clair. Les indicateurs hebdomadaires sont pas top top non plus, mais enfin bon. Bon, Eden Red, j'en prends pas. Pourquoi? Parce que c'est déjà monté très très fort, très très haut. J'ai plus vraiment d'objectif à vous mettre sous la dent. Libre à vous si vous voulez. Ça correspond aux critères d'impulsion. Hein, voilà. On est au-dessus des moyennes mobiles, sortie des bandes de Bollinger. Le MACD est au-dessus de son signal, au-dessus de 0. Le RSI est au-dessus de 60. L'OBV monte. Donc tous les signaux sont bons pour une poursuite haussière de cette valeur. Mais moi, je ne la prendrai pas. Voilà, ça, vous appelez ça le feeling, vous appelez ça comme vous voulez. Hermès, il reste plus grand-chose comme potentiel. Bon, encore 10% sur Hermès si ça vous intéresse. Moi, ouais. Quoique, on a un Mori Bozu ici. Allez, on va prendre un peu du Hermès aussi. On a un objectif qui est assez clair. Là, 10%. On peut se mettre un stop. On a également tous les critères d'impulsion qui sont réunis au-dessus des moyennes mobiles. Un Mori Bozu pour vendredi. Les indicateurs sont bons. Le MACD a quasiment fait également un non-croisement baissier. Jack, un peu comme sur Michelin. Donc ça, c'est très bon. On prend un peu du Hermès pour lundi. Bande de Bollinger vont en s'ouvrant. Tout est là. Ok, Michelin, Hermès. C'est ma sélection pour les valeurs européennes. France-Belgique. Voyons un petit peu du côté des États-Unis. Qu'est-ce qu'on a? Alors Tesla, je vous en parle pas. On a déjà vécu la chose. Intel Corp. Oh là 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 là. Là, j'ai peur qu'on soit un peu trop en retard. Nvidia poursuit. PayPal. Ah, PayPal fait un avalement, quasiment un avalement haussier. Après, le gros gap de rupture. Netflix, c'est pas encore mûr. Non. Cisco, pas encore non plus. Gillette. Nvidia. Ça poursuit simplement. Donc rien de vraiment très marquant. Sur les noms technologiques, qu'est-ce qu'on a? Salesforce. Alors Salesforce, je crois que c'est de l'intérim. Citigroup, la banque. Alors nous, on a déjà Bank of America dans notre. Tiens, je ne l'ai pas vu dans mon listing. Où est-ce qu'elle est? Comment ça se fait? Comment ça se fait que je ne l'ai pas dans mon listing? Pourtant, je vous ai envoyé ce plan de trading, je m'en souviens bien. Donc, voilà. Si on n'a pas, si vous n'avez pas pris, c'est pas grave. On pouvait la prendre dès lundi. Je vais la rajouter. Je vais faire comme vous. Je vais la remettre dans le listing à partir de lundi. Donc, Bank of America, voilà. Une figure épaule, tête, épaule. Même si c'est un petit peu bazar ici, mais l'épaule, tête, épaule, elle est bien là. Premier objectif, c'est la hauteur des épaules. Deuxième objectif, c'est la hauteur de la tête. Vous voyez, ligne mauve, hauteur des épaules. Ligne bleue, hauteur de la tête. Et on est parti pour là-bas. Alors, cette semaine haussière, on est au-dessus des moyennes mobiles. Les bandes de Bollinger vont en s'écartant. Les indicateurs sont également bien orientés. Donc, vous pouvez sans problème vous prendre un petit peu de Bank of America pour la semaine prochaine. C'est parti. Donc, voilà, on a trois valeurs pour lundi. On a Michelin, Hermès et Bank of America. Je vais taper un petit œil aux autres. Union Pacifique, Alibaba. Alibaba également. Étoile du matin, objectif à 14%. Pour l'instant, on va faire ça. Il semblerait que ça fasse tout doucement. Alors ici, on va peut-être avoir un départ d'impulsion sur Alibaba. On attend. Pourquoi? La bande de Bollinger supérieure va vers le bas, la bande de Bollinger inférieure va vers le haut. On se retrouve dans un couloir d'étranglement et donc on attend une belle poussée d'impulsion. Même si on voit que ici, voilà, à chaque fois qu'on vient contacter la zone, tac. Donc il y a des gens qui aiment bien jouer ce genre de choses. Dès qu'on arrive sur le support, ils achètent. Il y a des gens qui font ça. Moi, c'est pas mon trip, c'est pas comme ça que je travaille, mais bon, chacun est libre de faire comme il veut. Donc, une fois qu'on aura franchi le premier objectif ici, on ira peut-être en miroir jusque là-bas. Mais on n'y est pas encore pour l'instant. Sur Visa, non. Chevron, c'est le pétrole. Ma ligne d'alerte, elle est prête, mais il ne se passe rien. JNJ, Johnson.
Walt Disney, tiens, qu'est-ce qu'ils deviennent? Non plus. Mais bon, voilà, j'ai trois valeurs pour lundi. J'ai déjà une belle liste qui est en cours, hein, donc on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 valeurs. On aura 12, 13, 14 valeurs à partir de lundi. Pour faire un suivi de valeurs, c'est déjà pas mal, hein, donc n'en faites pas plus, ou en tout cas pas beaucoup plus, parce que ça risquerait d'être compliqué pour vous à suivre. Donc voilà, c'est ici que je termine la séance de live coaching. Alors restez branchés, parce que dans quelques minutes, je commencerai la séance publique pour faire l'analyse du marché. Disons qu'il est 10h43, bien dans un quart d'heure, c'est-à-dire à 11h, on fera ensemble, pour ceux qui veulent suivre cette analyse du marché, les indices, les matières premières. Et si quelqu'un a une question, ben, je pourrais y répondre sans problème. En parlant de questions, je vais voir sur le... Là, si on a des questions. Ah, pas de questions pour l'instant. Donc voilà, je mets l'arrêt ici pour le live coaching, et je vous reprends dans un gros quart d'heure à 11h pour faire la...